Bonjour à tous et à tous, ici Aesatsune pour une nouvelle vidéo de Aura Kingdom. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de Aura Kingdom, du coup, ça me tentait. Et puis voilà, j'essaie de vous faire plaisir ici, là. Ah, le son est revenu par magie! Voilà! Et ça va s'arranger tout de suite après. Voilà! Du coup, j'ai eu un petit bug de son. Et puis, la semaine passée, j'ai eu un bug de graphique. Ça n'affichait pas sur ma TV. Du coup, j'ai pas pu tourner. Et puis, voilà. Mais il y a une chose qui me chicote dans tout ça quand je rentre dans ce jeu. Comme j'ai mentionné sur Facebook. Si vous me suivez sur Facebook, Alex François, eh ben, il y a pas si longtemps, j'étais vraiment proche d'une fille que j'aimais beaucoup. Ah merde! Ah! Voyez là! Quand ça, je fais des gaffes là. Pas capable de réfléchir. J'espère que le son va pas bugger parce que ça va faire la deuxième fois que j'en. Voilà. Et puis voilà. Et du coup, ce fille-là, je l'aimais vraiment intense. Je vous dis, je l'aimais mais d'un amour fou. Et puis voilà. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a dit, je suis plus à toi, c'est tout. Et quand j'ai vu qu'elle était avec un autre gars, parce que nous, on s'amusait dans la demeure de l'envoyer, surtout chez elle, et voilà, j'aimais bien sa compagnie, mais à ce temps, elle va avec un autre, et ça, je suis pas capable de l'accepter. Je l'accepterai jamais, mais si est-elle la réalité, j'aurais pas le choix de l'accepter. Encore debout! Ben là, j'ai pas eu le temps de lire, mais bon. Du coup, ben Kirito, il est bloqué. Voilà. Il est bloqué. Du coup, moi, Akiyo Shikume. Oh, Trap est en ligne. Du coup, je vais dire bonjour à Trap par Trape. Tritium, pip pip souille, wow! Plateau météo, météorite. Ah, invité dans le groupe, c'est l'EPA déjà dans le groupe, voilà. Ah, mais c'est pas tant pis. Et puis, voilà. Et puis, si c'est ainsi qu'elle veut, ça me dérange pas, je vais partir. C'est juste que si j'ai lui dit bon à plus j'ai des choses à faire, c'est pas parce que je l'aime plus ou je veux pas. C'est juste parce que je veux pas la blesser ou la faire souffrir plus que ça. Du coup, juste simplement qu'elle soit heureuse. Heureuse avec elle-même. Je tiens, voilà. Oui, pour moi, c'est souffrant, mais je me dis si c'est ça qu'elle veut, son vœu plus cher. Malgré notre distance, malgré qu'elle n'est pas vraiment loin non plus, mais il y a une chose qu'elle m'a dit, puis j'espère qu'elle va le promettre, et j'espère qu'elle va le faire. Je le sûr, parce que je lui pardonnerai jamais. Et je jure que je vais l'haïr au plus profond de son âme. Les choses qu'on me promet, on doit le faire. Ça, c'est sûr. C'est parce que j'ai promis à quelqu'un de le rejoindre en France, puis je l'ai pas fait. C'est parce que, justement, la personne m'avait blessé, la personne est partie. Voilà pourquoi. Et savez-vous pourquoi aussi? Parce que quand on me trahit, plusieurs fois, ou qu'on me blesse vraiment intense,
J'ai de la misère à reprendre confiance en moi, puis surtout à la personne. Du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, voilà. Là, je suis perdu, là. Nouveau monde, nouvelle map, perdu. Bonjour les squelettes. Bref. Je veux juste dire une chose. Faites attention. Gars ou filles, je sais que même si... Essayez peut-être une couple de fois de la reprendre. Mais si vous voyez que c'est fini et qu'il n'y a plus espoir, je veux dire, essayez de trouver un autre. Même si c'est souffrant, et moi aussi je vais passer à autre chose. Je vais essayer, mais ça veut pas dire. Et puis, j'espère au grand, j'espère. Du fond du cœur. Qu'elle va entendre mes mots. Malgré ça, je me dis peut-être qu'elle va les entendre, peut-être pas. J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moins, elle va savoir me fond de pensée. Et ça, j'oublierai jamais. Même si des fois, j'étais un petit peu, triste dans ces mots, ou c'était dur, ou en tout cas, tout ce que vous voudrez, moi, je l'abandonnerai jamais. Je t'abandonnerai jamais, mais une chose est sûre, faut qu'elle me le dise. Si elle me le dit pas, je sais pas quoi faire. Du coup, on est à la plateau du Condor. Et non, ne dites pas d'autre chose. Je vois très bien les esprits tordus. Bon, toi, qu'est-ce que tu me veux? Parlez à Dailas. Ouais, mon gros blaireau. Qui fait quasiment un mètre et demi. Allez au champ de bataille! Je suis rendu hyper loin. Oui, des fois je vous spoil les maps, mais pour ceux qui jouent pas, ça dérange pas. C'est juste pour ceux qui écoutent sa vidéo et puis qui jouent, et je suis sincèrement désolé. Parlez à Rachel pour terminer la quête. Ah oui, dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je lise. Voilà, comme ça. Lorsque vous chantez de l'Alliance, vous verrez que tout le monde y met du sien. On dirait bien que les meilleurs chasseurs participent à toute cette guerre. Ben non, je vois pas. Si vous êtes ici pour apporter votre aide, j'ai 2-3 choses à vous donner à faire. Regardez par ici. Rachel pointe la direction des chevaux de Freeze entourant le champ. Ils ont bien besoin d'être rafistolés. À la prochaine attaque, ils seront complètement détruits. Du coup, je dois aller ramasser tout ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu bien ou que c'est trop clair. Essayez de déloigner ou essayez de focusser là. Je sais, mes cheveux sont de différentes couleurs, mais bon.
Alors, à pistolet, ce truc. Malgré que c'était mauvais. Le gros. Je me demande l'intelligence artificielle et celle-ci vraiment intelligente. Allez, retourne où t'étais là, gros bâtard. Voilà. Si c'est comme ça pour le niveau 75, eh ben, on peut pas dire que ça va péter la classe. Et puis les musiques sont rendues épiques, même. Épiques! C'est du epic fail. Du coup, je vous ai arrêté de vous embêter avec mes petits tracas. Et voilà. Bâtard, voilà. Allô, voilà. Du coup, essayez de comprendre un peu avant de vous lancer dans ce genre de jeu. C'est pas toujours facile. Tous les jours. On souffre. On peut même mourir. La volonté est impure. C'est pour ça qu'il faut faire attention des fois. De ne pas faire le caca puis faire genre non, moi je suis un thug live, je m'en bats les steaks, voilà. Et puis au bout de ligne, ben, vous êtes comme ah, je suis triste, blablabla, et etc. Parce qu'un coup que c'est passé, on peut plus reculer. C'est comme une machine avec une craque. Tu sais, les jouets là qu'on craquait hein, quand on était jeune. Je parle de ça pour les plus vieux, voilà. Les plus jeunes, je sais pas si les plus jeunes vous écoutez ça, mais pour les plus vieux, les jouets là que vous craquiez là en arrière avec une espèce de clou à papillon. Ouais. Et c'est comme ça. La vie est comme ça. Ou c'est l'amour. Ou la gaffe qu'on fait. Un coup que la machine, la crinque est partie. Ça s'arrête plus. Jusqu'à temps qu'elle a fini de tourner. Ça, c'est pas toujours bon. Ben, ça dépend des choses. C'est la vie. Si elle arrête de tourner, vous êtes foutus. Si elle arrête de tourner à cause de l'amour, puis que votre vie avec, c'est encore pire. Je veux dire, le suicide, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, d'épeurant. Je veux dire, moi, j'ai pensé à ça, mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me disais, mes proches, excusez-moi, bah, même, parce que je me suis dit, ok, c'est good, mais il y a du monde qui tient à moi. Du coup, je l'ai pas fait. Je pensais aux autres avant de penser à moi. Et ça, j'ai toujours. Oh, ben, excusez-moi. Oh, mais pardon, mes chers abonnés. Il est quand même exactement 20h30. Et genre, je suis revenu de travail à l'arena, voilà. Du coup, j'ai fait de la vaisselle et je suis un peu fatigué. Mais je crois que ça va être comme ça tout le long. J'en ai bien peur. De la baston, voilà.
Je suis comme genre un tout le monde, puis voilà, tout seul, faire à Londres, comme vous voudrez. Et voilà. Déjà, point de compétence, maîtrise d'armes, niveau 4, je vais changer, parce que... Ah. Ok, t'es en train de me dire que t'as pas le droit de modifier ça. En mode bataille, je te ferai dire que j'ai complètement fini. Et je vais aller parler à Gladius. Gladius Lambrum. Et qui est vachement laid. Et pas beau. En même temps. Du coup, je le déteste. 26, 27. Level 27. Oh oh. Ouh, c'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe quand elle vient de jaune. Elle me, va me casser dans pas long. Du coup, faut que je trouve magasin. C'est hyper loin. Je peux pas passer au travail. C'est dommage. Merde, je peux pas passer au travail. Je peux même pas descendre. Lourd. Ah oui, si. J'ai descendu hyper bas, même trop. Ah, je suis tombé à l'eau. Je suis tombé à l'eau, je suis tombé à l'eau. Je vais non, faut pas que je me batte. Faut pas que je me batte parce que sinon je vais briser mes griffes. Mes griffes de chat. Miaou. Oui, ça me tentait littéralement de faire miaou, griffes de chat. Griffes. Bref. Du coup. Ouais, ma jeune dame, j'ai besoin qu'on me répare un peu, qu'on pistole un peu. C'est-à-dire, voilà. Et c'est fait. Ça me fait chier parce que. Je veux dire. Ça sera peut-être mes trucs. Voilà, ils sont à 100% comme mes armes et toute la patente que tu voudras. Ensuite, en même temps, je vais aller changer mes points de compétence parce qu'elle a maîtrise d'armes. Parce qu'elle a impossible à maîtrise en mode bataille. Mais je suis pas en mode bataille là, moi. Si? Je suis en mode bataille. T'es sérieux là? Je suis en mode bataille, ok. Bon bah tant pis hein, on sera en mode bataille et ça va comme ça. Allez on y va, allez la baston. Surf inutilisable dans le ciel uniquement. Mais je suis dans le ciel. Qu'est-ce que tu penses de plus? Et toi qu'est-ce que tu fais? Allô, jeune arme. Bon, allez, coupe ton arme tranquille. Merci, mais t'es qui toi? Un bâtard qui... Ah, il me tue en plus! Au secours, il y a un oiseau qui me tue. Bon, il est parti. Allons-y, tabasser des mobs. Des mobs comme qu'on les aime. Vaincre le monde marin. Oh boy. Moi avec, tu veux rire de moi, je veux dire. Oh là 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 là. Mais c'est nawak cette histoire. Aura Kingdom, tu pars en fly. Mais qu'est-ce que... Du coup, toi...
je vais te battre en premier. Parce que, voilà. Et en premier lieu, c'est un truc qui est assez chelou. Défense toxique. Oh, il est mort. Ok, lourd. Je suis pogné. Et en plus, il y a repop. Fait que, allez, on s'en fiche. À l'attaque. Yeah. Fatigué, du coup, je tournerai pas trop tard non plus. Et puis, tranquille, tranquille, voilà. Mais je vais crever. Yeah. Oh, c'est pas grave, je suis mort une deuxième fois. Bon, est-ce que je peux changer ma compétence vu que je suis plus en mode de bagarre, baston, tout ce que ça. Parce que là, il est niveau 4, voilà. Aïe 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 aïe. Allez, on y va. Je suis hyper fatigué. Je sais pas, j'ai même pas taffé. Eh ben désolé mes abonnés. Oh boy, ceci va être assez chelou, mais d'une cheludité. Je répète encore et encore, je n'ai pas. Ne regardez pas tout de suite ma vidéo. Je vais faire un montage et je vais l'exprimer. Du coup, ça sert à rien parce que ma vidéo deux fois. Allez, hop, 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 hop. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Allez, meurs avant moi, s'il te plaît. Oh, aïe, 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 aïe. Je déteste ce truc. Ils me font rager. Bon, ben, moi, je me vais naviguer pour l'instant. Voilà. Les quêtes générales, j'en ai faites. Et en plus, théoriquement, les quêtes principales, j'en ai. Quête du forgeron. Aucune idée comment le faire, puis je veux pas le savoir. Du coup. Puis au pif, regarde. Voilà, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Point d'atterrissage. Point de départ. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de me dire qu'il y a une espèce de gros boss à la noix qui m'attend juste là-bas? Oh là là. Faut mieux craver. Faut mieux crever qu'à être vivant. Voilà la côte d'Elonia. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été visiter la côte d'Elonia. Surtout que c'est dans les niveaux 20, si je me trompe pas. Du coup, voilà. Waouh. Bon, mais c'est épique. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas été voir mon village.
Du coup, aussi, je suppose que toi, t'es niveau 60, 75. Pourquoi 75 que je l'ai deviné? Là, la raison est simple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus clairement? Disons que... certaines personnes qui m'ont dit que tous ceux qui sont au point d'interrogation, eh ben, c'était ceux qui étaient niveau 75. Du coup, c'est comme ça. Je me promène, c'est là, on se détend un peu. Eux, il est exactement on est Tuesday, ça veut dire mardi. Eux, ils sont mercredi là-bas. Ça veut dire mercredi à 2h du matin. Qui est là-bas, jeudi. À 8h du matin. Du mat, voilà. Ou son mardi à 2h du matin. En tout cas, bref. Ben, je vais aller voir ce monsieur. Ce monsieur qui est ici. Et voilà. Si je fais continue. Hop, attends une minute. J'ai passé quelque chose. Voilà. Le lundi, jeudi, vendredi et samedi dans le repère à partir de 8h que je pourrai y aller. Du coup, tranquille. Pour ceux qui jouent à Rankingdom, axel.shikume.skype. Donc, je vais l'écrire dans la description. Et puis par Facebook, Alexandre François. Et c'est comme je dis, abonnez-vous et tout ça. Et ça fait contact. Ça fait contact. Je dis n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Alors, un Kingdom, bien sûr. Qu'est-ce que je dis là? Oh là là! Du coup, je me promène et. Après ça, je vais prendre un break. C'est fou qu'à rendu à niveau 60, on a rien à faire. C'est quand même. Tranquille, j'ai rien à foutre. Bye. Tu sais, il est pas beau gosse, hein? Il est pas beau gosse? Vous trouvez pas? Attends, je vais juste zoomer un peu. Voilà. Il est pas mignon, lui, hein? C'est moi. Je conseille aux autres youtubeurs qui me regardent de jouer à ce jeu là. C'est un jeu mémorable. Tant de bonheur, tant de plaisir à jouer. Bon, chien c'est un peu sur les bords. Mais si vous rencontrez une fille, assurez-vous qu'elle soit la même âge que vous. Ou sinon, refusez, c'est tout, voilà. Et tu sais, je veux dire. Je veux pas que ça vous blesse dans ce jeu-là, mémorable, magnifique. Ok, là, côté graphique, c'est un jeu qui évolue au fil du temps. Mais tout de même, je veux dire, voilà. Attends, je vais juste tourner la caméra, s'il te plaît. Non, voilà. C'est un jeu quand même assez bon, qu'il est gratuit. Vous tapez Aura Kingdom FR, voilà. Et puis, je sais pas s'il y a une version américaine ou québécoise, mais moi je l'ai français. Du coup, tout est en français. Et puis, voilà. Oula, déjà 30. En tout cas, je finis sur ce. Après ça, je vous laisse. Et puis, attends, c'est quoi le salut? Contrôle 1, fait que, voilà. Contrôle, bon.
Et puis, comme je disais, voilà, ça va moins gosser. Comme je disais, c'est un jeu mémorable. Tu peux, voilà, vous pouvez créer votre propre style. Vous avez, vous pouvez check voler, sauter, voilà, comme vous voulez. Hop, même aller sur les toits de maison. Il y a même un glitch. C'est glitch. Je vais le faire ça dans une vidéo spéciale Our Kingdom. Parce que disons que je suis rendu hyper loin. Puis ça me donne pas tout scrap. Oui, c'est des fois trop le faire. Ça vient que votre PC bug. Voilà, il ne comprend plus sa vie. Il ne comprend plus rien. Et voilà. Et on va finir ça, cette vidéo, sur, bien sûr, un endroit particulier. Et je crois que, pour les nouveaux, ça va faire comme un peu j'avais oublié que, voilà, on pouvait pas le voir. Une map, repère, voilà. J'ai quelques points de repère. C'est là. Et en même temps, c'est une vieille map que on commence dès le début. Oups, je l'ai tassé un petit peu trop brusquement. Voilà, ici même la ville natale où que on démarre le jeu. Ça veut dire niveau 1. Tu commences exactement, si je me souviens bien. Si je me recule, je me tasse exactement ici. Voilà, c'est la même position que quand tu commences. Juste devant l'épouse, voilà. Vous commencez, blablabla, vous parlez ainsi et ça. Et puis, ceci est mon endroit préféré de cette map. Si j'ai réussi. Si j'ai réussi à monter, voilà. 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 Pourquoi devenirez-vous? Ben, c'est exactement cet endroit-là. Avec, justement, cet habit-là. Cet habit est ici même. J'avais pas mon masque, malheureusement. Ni ces belles griffes subliminales, mais j'avais bien cette truc mûche, voilà. Abby, c'est ici même que j'ai rencontré Naya. Elle se promenait ici et là, un peu partout, comme une petite fofolle qui aime bien s'amuser. Voilà, ici, là, partout. Et elle mettait des cœurs partout. Et là, moi, j'étais arrivé debout, mais en fait, j'étais assis. J'étais assis comme ça, voilà, tranquille. Et puis j'ai emmené, là, je me lève, tranquillou, pépère, je range mes armes. Et là, je dis bonjour. Elle me répond bonjour. Ensuite, je dis ça va. Elle me dit oui. Très justement. Et puis, voilà, et je me souviens encore ces moments-là, c'est fou. Ça me marque. C'est pour ça que je me dis cette place ici. Cette place, je veux dire là, avec cette vue, tu peux te barrer le truc de bon, en tout cas, avec cette vue, contrôle alt h, voilà, avec cette vue, ben je l'oublierai jamais, je veux dire jamais je vais l'oublier, parce que c'est là que je l'ai rencontré et c'est là que j'ai demandé si elle voulait être ma copine. Et devinez qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a accepté. Du coup, on a échangé Skype. Mais, comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Et un bonheur se transforme en malheur. Du coup, ses parents ont littéralement dit non, tu ne parles plus à ce mec. Tu ne.
Le chat plus, sinon on t'enlève ton jeu et on supprime ton compte YouTube et Skype, voilà. Mais si ça aurait été l'inverse, que moi ça aurait été la même chose, bah vous savez quoi, je m'abattrais les steaks. J'aurais juste un message que je serais plus sur Skype, mais au moins je ferais ça pour celui que j'aime. Si ce qu'aurait fait, c'est celle que j'aime, excusez-moi, j'ai pensé à sa place. Parce que je me suis dit, gars, dans vie, t'as pas besoin de YouTube, t'as pas besoin de Facebook, t'as pas besoin de Skype. À moins que la personne, elle habite en France, je veux dire, en France, voilà. Mais elle habite au Québec, tout comme moi. Donc, théoriquement, en plus, je suis proche ou calé. Du coup, on aurait pu se rencontrer une rencontre, voilà. Elle va se quitter. Et de voir comme ça, et continuer la vie. Je m'en battrais les steaks. Sérieusement, qu'on me pick up mon ordi, qu'on me pick up n'importe quoi. Je m'en fiche. C'est comme ça. Sur ce, mes chers chibi manga fans pour la vie, je vous dis bye bye.